Ceux qui produisent tout ont rien, et ceux qui ne produisent rien ont tout, tout. Un tel état de choses ne peut que produire l'antagonisme entre les classes laborieuses et la classe possédante, c'est-à-dire fainéante. La lutte ne disparaîtra que lorsque les hommes mettront en commun leurs joies et leurs peines, leurs travaux et leurs richesses, que lorsque tout appartiendra à tous. Le droit de vivre ne se mange pas, il se prend. Ceux qui produisent tout ont rien, et ceux qui ne produisent rien ont tout.